Oh, bonjour YouTube, on reprend Kingdom Come. On va essayer de retrouver l'enculé de Émile Zvola ou Zvona, je sais plus quoi là, pour lui voler à la tire. Ou l'échec, vu qu'il veut pas nous parler non plus. Il veut pas nous l'échec le fion. Il est où? C'était quoi ce bruit? Ils sont cons. Bon, je le retrouve pas alors qu'il arrêtait pas de traîner depuis tout à l'heure. C'est dommage, hein? Ah, c'est lui là. Culé, va. Zmola, Emile Zmola. Mais bon Il sang, m'a vu. qu'est-ce que vous croyez? Dit déjà. Oui, mais il s'est arrêté aussi sans crier gars. Moi, je le chie, je le suivais. En ces temps difficiles, les gens se méfient de tout. Si vous entrez importunément dans la maison de quelqu'un, ce dernier commencera par vous avertir que vous n'avez rien à faire là. Toute action inappropriée le poussera à appeler la garde, j'imagine. J'ai pas eu le temps de lire. Bref, qu'est-ce qu'on disait? Il y a du sang. Peut-être parce que je pue trop. Je fais trop de bruit, il faudrait que je me mette à poil peut-être, non? Déjà, je vais enlever mon casque. Mes brassards. Les brassards qui protègent le vieux grave bien, hein, quand même. Ah, ça me fait regagner un charisme incroyable. Mais non. Ah, même ça, ça leur plaît pas que je mette ça, apparemment. Ah, par contre, si je mets ce truc-là qui est dégueulasse. Je suis moins visible. Mais voilà, on se balade comme ça. On est bien comme ça. On fait quasi pas de bruit, y a que nos bottes qui font du bruit. Allez, il est où, Emile? Zmova, là. Zmola. Il arrive vite par là tout à l'heure. Oh, il me casse les couilles. Ça, c'est le contre-maître. Ah, c'est pas lui que je vois là. Non, lui, non, il est habillé en rouge. C'est pas lui, c'est le prêtre de mort. En fait, il a le même truc que je mets plus jamais maintenant, alors que c'est trop classe. La petite veste rouge, comme fille. Bon, il me casse les couilles et on se casse. Bon, j'ai pas perdu tant que ça en charisme, des vêtements. Enfin, ouais. Si, c'est ça qu'on dit, je crois. Ah, il est là. Il est arrivé de nulle part.
Oh, il se bat! Prends ça! Il me défonce! Ouais, il est trop fort! Ah, ça y est! Hey, vous, ne bougez pas donc! Hey, vous, halte-là! Lâchez les armes! Vous avez porté atteinte à la membre de vos enfants à la loi. Je... C'est tout ce que t'as dans le ventre. Mais... Ok, ils sont trois, c'est pas la peine. Bon, il a pas envie de se faire voler à la tire, hein. Lui. Il est trop chiant. On va pas faire ça. Bon, du coup, comme promis, sur ce stream, on a passé notre vie à Sasso. Du coup. Mais bref, ça suffit, allons rendre la quête à l'autre, là. Ah, j'ai encore découvert l'herboriste. Ah mais attends, il y a une meule là, je vais aller... Je lave mon épée avec la meule de Monsieur Propre. Monsieur Propre, Monsieur Propre. Élimine même les bactéries Covid-19 de votre lame miséricorde. Monsieur Propre, Monsieur Propre. Regardez. Un seul meulage, les taches s'évanouissent. Meulage, ça existe ce mot? Ben, si je le dis, c'est que c'est vrai. Monsieur propre, monsieur propre. Et non, c'est plutôt meule propre, meule propre. Meule propre. Bon, après j'ai pas plus l'intention que ça de la réparer. Oh, je l'ai réparé de 5 là. Juste pour la nettoyer avec meule propre, meule propre. Meule propre. C'est pour ça que la meule est aussi propre. Elle élimine même la peste bubonique de votre... Oui, ben on va... Ah, il y avait ce coffre aussi, je l'avais pas vu. Mais attends, quoi? Alors, soit je suis bileux... Soit ils ont refermé. En tout cas, il a que de la merde. Sauf que ça se vend hyper cher, ma parole. Hop. Mais après, ça peut peut-être me servir d'armure plus tard. Mais oui.
Des armures aux jambes magnifiques. Donc je pourrais les vendre, mais je pourrais aussi les garder pour ma gueule. Il faudrait juste que je trouve une auberge pour les safeiser ou que je me barre en vitesse de cet endroit. Et c'est gagné. Toi! Mes hommages. Viezek est mort. À propos de cette fameuse Moldavite. Oui? Vous avez des nouvelles? Oui. La bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé Viezek. Vous m'en voyez ravi. Mais pourquoi donc n'est-il pas présent avec vous? C'est la mauvaise nouvelle. Il est mort. Dieu Tout-Puissant. C'était un brave homme très respecté par ses pairs. Je vais prier pour son... Jouer le, le... Cela étant dit, montrez-moi la pierre, si vous le voulez bien. Jouer l'intérêt, mais on peut pas. Du coup, j'ai enlevé un point au jeu. Je vais nier la voir. Mais pourquoi je ferais ça? Pour la garder pour ma gueule et la vendre? Attends. Viezek n'avait même pas ses vêtements sur lui. Alors une pierre? Nous vivons dans une bien sombre époque. Bien, il n'y a d'autre choix que de remplacer la pierre. Revenez chercher la couronne demain après-midi. Portez-vous bien. Attendez, mais du coup, mais ça me sert à quoi de garder cette pierre? Bon, on peut le faire, je suis curieux, mais c'est peut-être parce qu'elle se vend ultra cher ou... Elle se vend que 250. Je sais pas, pourquoi je la garderai? Bon, bah écoute. Je l'ai gardée. Peut-être, je ne sais pas, elle servira un jour dans le jeu ou pas du tout. Bon, parce que 250, c'est pas la folie non plus. Ça veut dire que si je vais voir un con, il va me la prendre 50. Peut-être même pas. Ah ouais, il faudrait que j'aille remplacer ce truc. Il est tout cassé. Enfin, le que je trouve un tailleur. Il doit bien avoir un dans le coin. Et surtout un aubergiste pour ranger dans le coffre. Et passer la journée ici. Et ranger dans le coffre pour le safeiser le truc que j'ai volé. Parce qu'il n'y a pas d'auberge ici. Écoute, il va falloir aller se balader ici. En espérant ne pas se faire arrêter. Là, il y a un donneur de quête, mais j'en ai déjà trop, donc on va arrêter. Henri est passé nous dire bonjour. Oui, bonjour. Ah voilà, l'auberge. Parfait. Bonjour, monsieur. Vous avez des chambres? Portez-vous bien. Est-ce qu'il est possible de dormir ici? Sans problème. Jusqu'à quand? Pour une seule nuit. D'accord, mais il va falloir payer comptant.
Oh mon dieu. Deux. Oh, je vais marchander là, c'est trop. C'est une grosse somme. Est-ce qu'on c'est peut une grosse somme. Vous allez vous plaire ici. Vous serez comme sur un petit nuage. Où est ma chambre? C'est à l'étage supérieur. Passez par l'escalier dehors. Vous pouvez prendre la chambre du milieu. D'accord. Sinon, tu vas en quoi? Un agneau cuit. Mais tiens, il n'y a pas déjà, ils m'ont demandé de la bouffe. Je vais lui prendre tes agneaux cuits, non, ce sera pas mal. Ah mais non, mais il en veut 5 du jus de gibier. C'est bon, chier. Mais je pourrais faire ça, là, ce... pour la fin de... Moi, est-ce que j'ai faim? Pas du tout. Ils vendent des bandages aussi, mais j'en ai trop. Oh, une bière. Du bon vin, mais le bon vin se vend à un bon prix. De l'hydromel. Un excellent hydromel, goûteux, il réchauffe et fortifie. Je vais prendre ça à la place de la bière. Je peux lui vendre des trucs. Ah bah oui, attends. Peut-être qu'il me prend ma bouffe avariée. Peut-être que grâce à ma bouffe avariée, il va me donner de l'argent. Bon, j'ai ces boletus aussi qui sont dégueulasses. Alors, vas-y, prends-les. J'ai cette eau potable qui commence. Dès que je la boive. Oh, mais j'ai besoin de rien. Bon, je vais pas lui demander si des gens ont besoin d'aide parce que je veux pas m'éterniser ici non plus. Bon, je vais juste aller déposer du coup dans mon coffre. Donc c'est la chambre du milieu, donc ça doit être celle-là. Le truc que je viens de voler, comme ça je suis tranquille. Il faudrait vraiment que j'apprenne à lire, hein. Wow. C'est pas mal ce truc. Ah oui, j'ai cet arc aussi. Ah non, cet arc, je l'ai trouvé sur le cadavre, j'imagine. Je le donnerai au cheval. Putain, la pâte de Bianca, pue du cul. Tout pue du cul. Ça, hop. Je devrais le garder sur moi, ce truc. Je vais le reprendre après. Ça, en plus, ça pèse rien.
sait jamais, ça servira peut-être un jour. Des eaux fraises. Ah, le miel, pas quand même, ça coûte cher. Hein. Enfin, ça pèse lourd. C'est peut-être ça qui me pèse un peu pas mal lourd. Bon, juste 4 kilos. Ah, c'est peut-être les cages à oiseaux qui me pèsent, bon, il me fait 6 kilos. C'est vrai, je pèse lourd. Hein. Wow, j'ai deux cartes au trésor, je suis un dingo. Ah, mais j'ai déjà ces trucs. Ouais, mais l'autre il a l'air 10 fois mieux. Ouais. Voilà, des pots, j'en ai pas mal. Et le miel il se conserve, tout va bien. Je peux le ranger celui que j'ai là aussi. Bon, moi je vous propose de dormir un peu. Sauvegarder et on va aller chasser. On va aller chasser pour l'autre conne là. Pour Jeanne. Alors qu'on doit aussi chasser pour qui ça déjà? Un mec à rater. Mais pas karaté.
Allez, avant de se quitter, on va faire un peu de chasse. C'est quoi, on l'a loué pour la nuit et pas pour l'après-midi, donc tout va bien. Donc, parce que oui, on nous dit. Un brin de cours, les War Terriers. Ah oui, on peut essayer de guérir les malades. Trouver comment obtenir de meilleures conditions pour les malades. Obtenir assez de viande de gibier. Et la portée à jeune. Apparemment, j'en ai deux. Peut-être que c'est la viande séchée. Qui compte pour de la viande. C'est la seule viande que j'ai, donc je pense que la viande séchée, ça compte. Et bon, je pense que de la viande de lièvre cuite, c'est bon, non? Puis on va tester... Galet. D'aller dans la forêt par là-bas. Et de chasser du lièvre. On a pu remarquer que si dès que j'essaie de me battre sans bouclier, je prends cher du cul, donc c'est pas une bonne idée. Je me suis toujours pas remis du combat. Monsieur, excusez-moi, je me suis perdu. Ah, monsieur, vous avez une auge? Non. Non, vous êtes le tailleur, vous. Bon, il en faut 100 quand même. Je vais pas acheter 100 viandes séchées. Ça va être un peu compliqué, je pense, d'en trouver autant chez les marchands. Essayez de voir s'il y a des trucs ici qui se baladent. Pour redescendre là-bas, parce que là-bas c'était plus il y avait du monde, quoi. Et d'ailleurs là j'ai l'impression qu'en suivant ce chemin on y retourne. Attends, je vais y mettre un marqueur pour voir, pour être sûr, parce qu'ici ici c'était il y en avait à Frozen.
Bon, cet accident, il a l'air d'avoir que dalle. Mais il y a des soucis. Bon, on va faire ce qu'on a dit, hein. Ça suffit. Eh bien, allons-y, pénétrons. Les bois de Vranck. Tout va bien se passer, bien évidemment. Dès les piottes, j'ai une petite faim l'après-midi. Hop. Encore des ammonites. Remettons quand même notre casque. Il est déjà 14h30, fais chier.
Oh là là. Bon, à part des coquelicots, y a quoi dans cette forêt de merde? Des chiens. Enfin, j'entends tout le temps des chiens aboyer, mais je les vois jamais, ces chiens. Il faut que je tue au moins 5 lièvres. Allez, venez me voir. Normalement, on est dans le coin, il devrait y en avoir. On est là où il faut. Il y a même des trucs que j'avais jamais vus que, au final, j'ai abandonné la poursuite. C'est le Kanbanzi qu'on a quitté au début du stream. Toujours un poison élevé. Bon, où sont ces lièvres? Ne me dites pas qu'ils sont timides alors qu'il y en avait 50 000 tout à l'heure. Ça va me casser les couilles, il est déjà 16 h. Au secours. C'est écoulé 1 h 30, le temps que j'arrive à cet endroit, j'en ai toujours pas croisé un seul. C'est parce que je pue trop du fion.
Ouais, j'ai plus trop du fion, j'ai plus de charisme. Mais tout à l'heure, ils s'en foutaient. La dernière fois aussi, je puais du fion au début du stream. Et pourtant, ils étaient là. Ça n'a rien à voir. Jusque là, ils ont décidé de me casser les couilles et qu'il se passe rien pendant toute la fin de stream. Ces putains de lièvres de merde. Ça a aucune incidence, c'est... Lieu de chasse aux cerfs. Donc en théorie, il y aurait des cerfs ici. Des pissenlits si tu veux. Peut-être grâce au coquelicot, je pourrais sentir de nouveau bon malgré que mes vêtements puent du fion. Pas qu'il me voit. Putain, quel con. Il est devant moi. Oh là là. Ça y est, il m'a vu, l'enculé. Non mais... Tu te fous de ma gueule. Voilà, dans le cul. Dans le trou du cul. Apparemment, il avait reçu déjà une. Hein. Parmi celles que je lui ai tirées. 96. Ben voilà. Ah ben, lièvre, ça va nous finir. Bon. J'ai trop mis de temps là. Mon Dieu. Ah ben là, elle était bien là. Et ben voilà, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis trop lourd, mais j'ai tout ce qu'il me faut. Galé, putain, mais Galé, il vient partout. Allez, Galé, on rentre.
Mais foutez de ma gueule, je suis sur mon cheval. Bon, je vais lui donner de la viande. Il a déjà commencé à pouvoir que je viens de l'avoir. C'est vrai que la viande de cerf, c'est lourd. Bon, maintenant j'ai le droit. Ça, vous allez me dire. Oui. Je l'avais dit qu'il y avait plein de bêtes là dans cette forêt. Puis voilà, un cerf et un lièvre, et c'est bon, on a 6 nouveaux. Alors, en train de rater, il faudra qu'on fasse à peu près la même pour l'autre con là, Alex. Non mais tu peux pas couper à travers champ là, je suis sûr que tu gagnes grave de temps. Hein. Mais enfin. Alors voyons voir, est-ce que ça a périmé, c'est déjà périmé le temps que je fasse le voyage de retour. Et du coup, elle est là. Mais non, ça c'est. Oh, elle fait chier, elle dort, c'est ça. Il est que 21 h. Bon. Mais attends, elle est dans quel état là? Bon, ça va. Bizarrement, quand elle est sur le cheval, elle a pas périmé. Tiens, est-ce que si je la cuis, c'est grave? Oh, j'ai pas envie de tester là parce qu'il va cuire les 23 comme un con. Mais je pense que ça compte pas. À moins que c'est parce que l'autre était périmé. Putain, mais elle doit dormir ici, Jeanne, non? Regardez. Il a simplement besoin de repos. Ah oui, non, d'accord. Tu
dans ce petit ce coffre de merde, c'est très difficile. Mais attendez, si je les inspecte maintenant, autant que je le fasse bien. Si possible. Ça peut être possible si je prends premier soin 3. Allez, j'ai envie de prendre ça là. Tout va pour le mieux. Ces plaies ont été bien pensées. Je vous en prie. Dieu du ciel, je n'arrive pas à fermer l'œil. Pourquoi tout ce tapage? Un tapage? À cause de ma jambe, je dois rester ici encore au moins une semaine. Je souffre le martyr. Et avec tous ces gens qui n'arrêtent pas de se plaindre, impossible de fermer l'œil. Je pourrais peut-être vous concocter une potion pour vous aider à dormir. Alors je vous en supplie, faites vite. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Une potion pour faire dormir. Il va pouvoir s'en sortir tout seul. Philippe de Scalis. Il n'y a pas de plaie apparente, mais il tremble affreusement. Ah oui, vachement. Je le vois. Il tremble. Il ne réagit pas, mais en apparence, il n'y a que sa jambe de blessé. Je dois demander à Jeanne. J'arriverai pas à dormir. Il va pouvoir s'en sortir tout seul. On dirait qu'il est mort. Je peux pas rester ici. Vous m'avez l'air en forme. Presque. Mais ma jambe me lance encore. Vous devez ces blessures au couement. C'est ce que je raconte aux femmes. Mais en vrai, je me suis fait mal en prenant la fuite. Et ils vous refont le pansement parfois? C'est rare. Ils prétendent qu'ils n'ont pas assez de bandages. Celui-ci ne sert à rien, il faut le changer. Je vais vous en chercher. Portez-vous bien. Mais Jeanne, non? Ces plaies ont été bien pensées. Ces plaies ont été bien pensées. Putain, lui a du sang à côté, on dirait qu'il est mort. Ses plaies ont été bien pensées. Mais ses plaies sont bien pensées, avec des bandages. Ah, il en faut 10 pour un. Quoi? Combien? 10 pour lui tout seul, mais quel connard. Peut-être qu'il y en a là. Jeanne, j'ai de la bouffe. Pour l'amour du ciel, qu'est-ce que tu fabriquais? J'ai apporté de la viande. Voilà ce que je fabriquais, connasse. Vas-y, je te laisse un supplément, j'en ai rien à foutre, j'en ferai rien. Ah ben, elle le veut pas le supplément, bon ben. Merci, Henri. Les aliments riches sont les bienvenus. Qu'est-il arrivé à Philippe? Le pauvre, il était en pleine santé et puis voilà que son état empire de jour en jour. Et tu ne connais pas la raison? J'ai ma petite idée. Il ne s'est pas enfui de Scalis. Il s'est caché des jours durant, parmi des cadavres. Oh, s'il a été empoisonné... Que peut-on y faire? Nous? Rien. Seul le père Simon pourrait le sauver. Il en savait long sur les poisons en tout genre. Et où pourrais-je le trouver? Tu sais bien qu'il a quitté Scalis il y a des années. Et quelqu'un sait à quel endroit il est parti?
Si tu es du genre à croire aux histoires d'hommes des bois, rends-toi à Rovna. Qu'est-ce qui ne va pas chez l'homme près de l'hôtel? Il n'a pas l'air blessé, mais il est livide et il ne réagit pas. Il avait la jambe cassée, ce n'était pas beau à voir. Un os lui traversait la chair. On a essayé de lui redresser, mais j'ignore si nous l'avons bien fait. Je ne suis guère optimiste pour lui. J'ai vu pas mal de gens dans son état, et ça s'est mal terminé pour eux. Mon Dieu, il doit bien y avoir quelque chose à faire. Et que suggères-tu? Les moines ne feront rien, et je ne connais personne. Mais j'ai les compétences de premier soin, toi. Je vais lui redresser la jambe. Je peux essayer. Je vais lui redresser la jambe. Toi? Oui. Malheureusement, je suis maxé. J'ai eu l'opportunité d'expérimenter. Il faut placer les os les uns à côté des autres aussi précisément que possible. Non, j'ai utilisé un point de compétence. Mais il faut faire abstraction des cris de douleur. C'est le seul moyen de le soulager. Soit. Vois ce que tu peux faire. Raconte-moi ce qui se passe. Très bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Portez-vous bien. Ah, le tourne de raté, c'est important. Allez. Alors, il est mort? Ouais. Ah oui, j'ai ramené un mec la nuit. Ah là, il réagit. C'est qu'il a envie au moins. C'est fait. Par pitié, aidez-moi. Vous n'êtes pas de Scalis. Non, mais de grâce, je ne peux pas rester ici. Pourquoi ne pas rester ici jusqu'à votre rétablissement? J'ai une famille. Je suis pauvre. C'est grâce au chantier que nous pouvons survivre. Et le maître m'a prévenu que si je n'étais pas de retour d'ici quelques jours, je pouvais aussi bien rester chez moi. Où irons-nous, ma femme et moi? Qui nous accueillera? Nous allons finir dans les bois, où n'importe quel brigand pourra nous tomber dessus. Que vous est-il arrivé? Je travaillais à la construction, quand l'échafaudage sur le toit s'est effondré sous mon poids. Eh bien, vous avez de la chance d'avoir survécu. Oui, c'est ce qu'il paraît. Mais à quoi bon être en vie si c'est pour rester allongé dans un coin comme un légume? Eh bien, vous êtes mal en point, et je ne vois rien qui puisse se guérir en quelques semaines. Des semaines? Mon Dieu, il faut que je rentre chez moi plus vite que ça. Je pourrais peut-être vous aider. On dirait que vos plaies ont été bien traitées. Quand j'étais petit, mon père s'est fait piétiner par un cheval. Et une vieille bique du village lui avait fourni une sorte de plante violette. Il s'est rétabli en moins de deux. Et vous vous souvenez de quelle variété il s'agissait? Du tout. Mais l'endroit est censé abriter toutes les connaissances du monde. Quelqu'un a bien dû le consigner par écrit. Dans un herbier ou autre. Je vais vous trouver quelque chose. Je sais pas lire. Merci. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Ah. Je vois que vous allez beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux, en effet. Et c'est à vous que je le dois. Merci. Si jamais vous voulez savoir quoi que ce soit sur ce qui se passe à Sasso, passez me voir. Dans cette ville, il n'y a rien qui m'échappe. Même avec la jambe cassée, je sais tout. Portez-vous bien. Dans la ville, il y a quelqu'un qui sait tout. Trouvez cette personne. Bon, je pense que j'ai vérifié tout le monde. Ouais, l'insomnia qui veut que je lui fasse une potion qui... Allez vous faire voir. D'accord. Je pense que c'est... Ah, un bandage. Ah, un autre bandage.
Moi qui me disais que j'avais plein de bandages. Ah, il y a un truc d'alchimie et tout ici, mais c'est... Ah, il y a même un truc d'herbier, mais que je sais toujours pas lire. Il fallait, j'aurais dû aller à Uzis avant d'aller là. Putain, chier. Silence. C'est bon, hein. Donc effectivement, ils avaient pas assez de bandages. Je leur ai pris tout ce qui leur restait. Faut que je vais en acheter, du coup. J'imagine. Parce que même moi, j'en ai pas assez sur moi. C'est là d'où je viens. Pourtant, c'est pas comme si des bandages. Moi, je pue du cul, c'est pas une bonne idée de crocheter juste à côté d'elle. Bon. Fichez le camp. Laissez voir la revue. Mais moi aussi, je vais aller dormir, je pense. Faut juste que je retrouve l'auberge. Super loin. C'est elle, non? Taverne. À mon avis, c'est la taverne. Ou c'est là? Non, ça c'est armurier. Bon, ça doit être la taverne. Hop. Là, tu vois, c'est que ce qui est con avec les voyages rapides, c'est que voilà, je passe à côté sur le chemin, mais faut que j'aille au voyage au point du voyage rapide. Hein. J'ai pas le choix. Pour cette quête, de toute façon, nous sommes dans une impasse, car il faudra qu'on apprenne à lire. Donc, on va apprendre, on ira à Uzis apprendre à lire. Peut-être dans le prochain stream, Uzis sera notre prochaine destination. Rien à foutre du tournoi de raté. C'est où que j'ai pris ma chambre? Ah mais c'est là, je suis quel con. C'est une gîte. Ouais, je me suis dit, ah, ça doit être la taverne, mais non, c'est les gîtes qui en est. Des chambres.
Donc elle était là. Par où je passe? C'est trop profond ici. Putain de buisson de merde. Je veux juste rejoindre la chambre. Vous êtes casse-couille. Il n'y a que dalle ici. S'il y a un truc pour s'asseoir, on s'en fout. Une auberge dans la forêt. Je vais m'asseoir un coup pour boire cet hydromel. Bon, du coup, oui, on va voir cet hydromel. Et c'est les piottes, sinon elles vont pourrir. S'ils viennent de lire, il faudrait la cuire. C'est tout potable. Attends, avant que cette viande de lièvre devienne de la merde, je vais la cuire. Je peux la cuire ici ou non? Je descends. Mais chier. Hop. Non, je peux pas descendre comme ça. Je mélange les boutons de tous les jeux. Voilà. Je vous dis merci d'avoir suivi ce stream, d'avoir commenté sur le chat, etc. Et je remercie aussi ceux qui materont les rediffs. Et je vous dis bonne nuit, bonne soirée, bonne journée et tout ce que vous voulez.